Procès Corneille Nanga et compagnie, décryptage de ce procès. Prétendu dialogue entre l'AFC et le gouvernement, analyse des faits. Enfin, crise à l'IDPS, quid des bons offices, de la mission des bons offices qui se mène actuellement. Messieurs, dames, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans votre émission Grande Tribune. Nous sommes le vendredi 26 juillet 2024. Dernier jour donc de la semaine pour ce numéro. Alors, avant de présenter mes invités, je vais vous présenter les questions de l'heure. Rapidement, les USA imposent des sanctions à l'AFC ainsi qu'à des personnes et des entités associées à l'AFC, notamment Bertrand Bissimois, Charles Samata, un commandant, chef militaire adjoint des Tuiranéo, ainsi que à Corneille Nanga. Jean Bosco Bahala, sa descente d'avion a été arrêtée, auditionnée pendant 4 heures à l'ex-DEMIAP. Et le général-major Aimé Mbiato Konzoli, directeur de cabinet au ministère de la Défense, aurait été destitué selon certaines sources. Cette information n'est pas encore confirmée par les autorités du pays. Joint par Jeune Afrique, Corneille Nanga qualifie le procès de vaste blague. Pareille distraction procède inutilement de l'ignorance, du populisme et de l'étourderie d'un régime aux abois. Procès Corneille Nanga Compagnie, voici quelques déclarations d'un des prévenus, Eric Nkuba. Voici ce qu'il déclare parmi quelques extraits que nous avons pu récolter. Tout le monde a suivi le procès son jour. Qui peut nous dire qu'aujourd'hui le pillage qui se fait du trésor public est une bonne gouvernance? S'était-il interrogé. L'AFC est créé pour le changement en Ouganda. Les membres de l'AFC M23 logés dans les appartements du général Muhoozi, fils de Yoweri Museveni. L'objectif de l'AFC est d'atteindre Kinshasa. Ce n'est pas le Nord Kivu. J'étais à Rutshuru, je n'ai vu aucun Rwandais, mais dans les FARDC, il y a aussi des Rwandais. À côté des FARDC, les FDLR sont visibles. Je n'ai pas trahi le Congo. Je voulais plutôt instaurer la démocratie. Nous avons choisi la guerre. L'AFC n'a pas intérêt à conquérir Goma ou Butembo, mais venir conquérir Kinshasa. Messieurs, dames, on va s'arrêter là pour cette présentation des faits d'actualité saillants. On va donc lancer le sujet, d'abord présenter mes invités par ordre d'arrivée. Monsieur Ephraim Yaungonda, vous êtes cadre au parti politique écolo dirigé par monsieur Chris Mukendi. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup monsieur Dan, merci pour l'invitation, mes salutations aux différents co-débatteurs. Oui. Mes salutations au président national des écolos, le président Chris Mukendi. Laissez-moi présenter mes sincères condoléances les plus attristées au secrétaire général de mon parti politique, maître Jacob Mbangui, qui a perdu sa grande sœur. Tenons à lui témoigner notre amour et que nous sommes de cœur avec lui avec cet événement malheureux qui lui est survenu. Et surtout, nous plaidons pour un débat républicain. Dans ces instants, nous allons parler au Congo. Merci, maître Jean-Pi Ngalula. Bienvenue également dans cette émission pour votre personnalité politique de l'opposition. Merci beaucoup, monsieur Dan, de pouvoir inviter l'un des plus grands cerveaux en matière de droit en République démocratique du Congo. On m'appelle souvent le cerveau d'État et l'intelligence de la nation, parce que ces derniers temps, j'ai eu la mission de recadrer tous les conseillers, commençant par ceux qui sont à la présidence de la République, jusqu'à ceux qui se trouveraient dans n'importe quel cabinet en matière du droit. L'enseignement est tellement abondant, vous contribuez en m'invitant. En tout cas, grand merci. Merci également aux personnages que nous allons partager les débats ce matin. Laissez-moi également saluer notre gouvernement qui fait un bon travail et qui nous a prouvé exactement qu'ils sont à la hauteur de la gestion de la République en démontrant à ce jour que les prisonniers peuvent manger trois fois, mais quelqu'un en liberté mange une seule fois. En tout cas, nous remercions ces plus beaux mensonges. Je remercie encore le gouvernement où, à ce jour, c'est encore à vérifier, nous avons entendu que notre maman qui gère bien, et que je salue maman Kabedi,
Il y a une mauvaise odeur encore de détournement qui s'annonce là-bas. Nous sommes en train de mener nos enquêtes. Je salue quand même cette bonne gestion. Je salue également un gouvernement qui décide de juger un prévenu disant qu'il est en fuite alors qu'il est sur le territoire congolais. Et c'est la difficulté de l'arrêter qui semble être, en fuite, ou la peur ou le manque de moyens de l'arrêter. Je salue la population congolaise qui croupisse dans la misère et aux yeux doux de ceux qui nous dirigent. Merci à notre régime libido en libido, détournement mode de vie, vol sur vol, voyage sur voyage. Vous allez un peu loin. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse de garder ce cap, de diriger les pays tels que vous dirigez. Mais même au cimetière, vous payerez. Si vous mourrez avant, vos enfants vont payer. Merci, Maître Ngalula, Jean-Ping Ngalula, Ngalula en Chiluba, ça dit une personne, un enfant qui vient après deux filles. Non, après les filles. Après au moins les filles. Après les filles. Comme aussi une fille qui vient aussi après les hommes. On l'appelle Ngalula. Ok. Voilà. Pour les garçons. D'accord. Merci beaucoup. C'est la richesse de notre patrimoine culturel congolaise. Alors, Monsieur John Kabessa. Monsieur John Kabessa est analyste journaliste et analyste sociopolitique, consultant sur des questions parlementaires et diplomatiques. Il est également de la partie. Bienvenue, Monsieur John Kabessa, pour la seconde fois dans cette émission. Ces compatriotes qui aiment voir le Congo tel qu'est, au moins ça se trouve depuis nos frontières exactement de 30 juin 1960. C'est aussi pour moi une occasion, comme leader d'opinion, mais aussi membre de la société civile et journaliste, d'annoncer officiellement ou de passer cette information qui nous concerne. On vient souvent parler politique, parler nation, on oublie aussi pour parler de la profession. Il y a les lancements officiels de la campagne qu'on appelle « Ne n'oubliez pas ». Je crois que ça tique tout le monde. La campagne « Ne n'oubliez pas », c'est la campagne exactement des reconnaissances de la mémoire des 22 journalistes assassinés en République démocratique du Congo, dont jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de reconnaissance officielle sur ces. Donc, il y a eu 22 journalistes assassinés. La campagne a été lancée avec également l'association congolaise, également des femmes de presse écrite et aussi de tous les organes. Donc, nous aurons ce qu'on appelle un plaidoyer qui sera mené pour la reconnaissance de ces 22 journalistes tombés comme étant des martyrs de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Donc, il y aura 22 journalistes assassinés en connivence ou en collaboration avec 22 médias, également congobaises, et listés, saisis exactement pour accompagner cette campagne officiellement. L'occasion aussi de dire bonjour au président Christian Boussembe, oui, avec qui nous avons mené, il y a de cela 10 ans passés, le promoteur de la chaîne, il y a 10 ans passés, le combat pour la reconnaissance exactement de ce qu'on a aujourd'hui comme liberté d'expression. Ce qui a retenu, depuis le 22 juillet, il y a la campagne en marge de la journée de la célébration de la presse qui a été lancée. 22 médias vont participer pour qu'on puisse s'approprier ces combats liés au plaidoyer. Et il y aura plusieurs autorités qui seront saisies, tant parlementaires et gouvernementales, mais aussi il y aura ce qu'on appelle des ateliers et des journées de sit-in, parce que la mémoire ne peut pas rester comme ça, des journalistes qui sont tombés sur les champs de bataille. Ils ont contribué à l'édification, à la restauration même de notre démocratie, qui, quoi de plus normal, nous qui sommes exactement vivants, de reconnaître cela. Je pense d'autres détails, on va en parler au cours de l'émission. Merci bien, Monsieur John Kabessa, journaliste, analyste des questions politiques et des questions parlementaires, consultants diplomatiques. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc, on va lancer rapidement le premier sujet de l'émission. Nous parlons d'abord de ce prétendu dialogue entre les dirigeants congolais et l'AFC. Vous l'avez appris, monsieur Jean Bosco Bahala a été arrêté, interrogé à l'ex-DEMIAP. Alors, que retenir de cette actualité? Quelles leçons tirer de cette actualité? Quelles suggestions à faire aux autorités? Alors, vous, comment vous avez perçu cette actualité quand vous avez appris que M. Jean Bosco m'a d'abord révoqué, qui était en Ouganda,
il revient, il est interpellé, il est interrogé au service. Comment vous avez perçu cette information? Merci beaucoup, Monsieur Dan. Je crois que École, c'est un parti qui ne veut pas s'élancer dans la supputation ou bien dans les racontats qui, du reste, ne servent à rien. Mais sinon, je crois qu'au lieu de ces plateaux, je vais aborder le nez de votre question sur le prétendu dialogue qui serait amorcé entre le gouvernement congolais, mais aussi le membre de l'AFC. D'entrée de jeu, je me questionne, est-ce que réellement le gouvernement congolais veut se lancer dans l'optique de dialoguer avec l'AFC alors que préalablement il y a un procès contre M. Corneille Nangaa? Si le gouvernement congolais se lance dans l'optique de négocier, est-ce que l'on va mettre un terme au procès, étant donné que nous savons qu'il y a la répartition, n'est-ce pas, de pouvoir, il existerait le pouvoir législatif, exécutif, mais aussi judiciaire qui serait indépendant tel que voulu par l'article 149 de notre constitution. Je crois qu'en ce qui concerne les intentions du gouvernement congolais, à mon sens, si jamais il y avait ces besoins, ces désirs de chercher à négocier avec M. Corneille Nangaa, on n'aurait pas avancé ces procès-là. Parce qu'on ne veut pas tiquer la personne naturellement que l'on veut s'asseoir avec lui pour négocier. Sous d'autres angles, je suis en train d'analyser, je me dis que le fait de retrouver le Congolais, c'est mettre autour d'une table pour parler au Congo, dans l'optique de sauvegarder l'unité nationale, dans l'optique de chercher la paix, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais donc, malheureusement... On va retenir que le gouvernement congolais n'est pas dans cette optique de négocier. Sincèrement, je ne crois pas. Du tout dans cette optique. Je ne crois pas que le gouvernement congolais s'élancerait dans l'optique de négocier avec M. Corneille Nangaa. Sinon, il n'allait pas avoir le procès contre M. Corneille Nangaa. Alors, le fait qu'il puisse avoir déjà un procès est un signal, à mon sens, qui montre clairement que le gouvernement n'a pas les intentions de négocier avec M. Corneille Nangaa. Mais qu'est-ce qui justifie alors cette révocation de M. l'abbé Bosco Bala, qu'est-ce qui justifierait son... Je dis ici que l'on n'allait pas entrer dans les supputations. Pourquoi, quand est-ce que monsieur a été nommé, on n'a pas créé du buzz là-dessus? Sa révocation, pourquoi on doit parler de sa révocation? Je ne crois pas que c'est un sujet qui doit nous intéresser. Je disais que c'est nécessaire pour le Congolais de se mettre autour d'une table pour consolider l'unité nationale. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que Monsieur Corneille Nangaa est soutenu par le Rwanda. Il est armé par le Rwanda, voyez-vous? Et il se peut que le Rwanda puisse avoir des ambitions cachées. Malheureusement pour nous, c'est que ce lanceur d'appareil optique voudrait dédouaner le Rwanda parce qu'ils peuvent se mettre en retrait, dire que voilà, parce que nous sommes en retrait, on met le Congolais en avant-plan. Résultat, ça sera quoi? On ne parlera plus d'agression, mais on parlera plutôt des rébellions. On dira qu'il s'agit d'un Congolais qui s'est rébellé pour des raisons X, Y. Pour vous, cette information n'est pas une information qui devrait retenir l'attention. Mais il y a quand même le directeur de cabinet au ministère de la Défense qui aurait été révoqué également. Il y a lui-même, M. Jean Bosco Bala, qui est révoqué, qui est interpellé. Alex Demiap a interrogé pendant plusieurs heures. Et même le DERCAB lui-même a été interrogé plusieurs heures. Pour vous, cela ne vaut pas la peine d'être débattu, d'être échangé, d'être... Non, je ne dis pas que ça ne vaut pas la peine d'être débattu ou échangé. Mais vous allez vous rendre compte que quand vous êtes en train de poser votre question, vous avez utilisé le conditionnel. Donc, ceci nous obligerait à pouvoir faire un débat sur ce qui est encore dans l'imaginaire. Non, pas du tout. Nous voulons parler concret. Voyez-vous un peu. Non, pas du tout. Et de ces faits, je me sens très mal à l'aise de pouvoir discuter sur une question qui, au prélude, repose sur le conditionnel. Non, pas du tout. Je serais très à l'aise de parler d'une question où je peux constater réellement les faits, dire qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais quand c'est dans le conditionnel, je ne suis pas très à l'aise de pouvoir aborder le nœud du problème, le fond de la question, parce que nous ne savons pas réellement ce qui s'est passé. D'accord. En tenant-nous à l'officiel, je crois que si réellement on constate que ce monsieur a été révoqué et qu'il y aurait des interpellations, c'est en ce moment-là qu'on va pour autant discuter avec des éléments à la cour. D'accord, vous n'avez pas l'information. Je vous informe que M. Jean Bosco Bala a été révoqué. C'est une information vraie qui n'est pas au conditionnel. Il a été interpellé à sa descente d'avion, interrogé à l'extérieur. C'est une information qui est vraie. La révocation du DIRCAB au ministère de la Défense, là, l'information est encore au conditionnel. Mais pour vous, vous ne voulez pas discuter de ça parce que vous n'avez pas
vous pensez que vous, les éléments ne vous permettent pas d'aller en profondeur de cette... Ce que je dis déjà... On a compris. On doit éviter de jouer le jeu de personnes mal intentionnées qui brillent par la diversion, la désinformation. Qui joue ce jeu-là? Les opposants congolais. Très bien, on va y revenir. Pourquoi pendant sa nomination, ça n'a pas fait problème? On va y revenir. Mais quand il s'agit de révoquer quelqu'un, lui-même, sans pour autant tenir compte des motifs, On va se lancer dans les discussions. Lui-même a fait un communiqué pour dire qu'il était en Ouganda pour rapatrier les enfants qui étaient pris en otage par la LRA, ce mouvement rebelle qui opère donc en Ouganda et en République centrafricaine. Voilà, il s'est justifié lui-même par rapport à cela. Alors, Maître Jean-Ping Galula, quelle est votre perception de cette question d'actualité? Merci beaucoup, Dan. La plus étonnante sur ton plateau aujourd'hui, c'est que vous posez la question à votre invité qui représente Tshisekedi sur ce plateau, alors qu'ils ne sont pas des lignes sacrées. Et Kolo n'est pas dans l'Union sacrée. N'étant pas dans l'Union sacrée, ils sont donc nulle part. Mais il se donne quand même l'élix, ce toupet-là, de dire très facilement, à court d'arguments, il a séché plus que Kamon Zungu na moto. Mais il vous dit non, c'est les opposants qui alimentent. Qu'est-ce que nous alimentons ici? Vous avez donné une information totalement exacte. La politique, dans les débats, c'est que lorsque vous n'avez pas d'argument, vous n'avez pas d'information, autant dire que ce sujet-là ne m'intéresse pas. Au lieu de divaguer et afin jeter l'éponge aux opposants. Étant l'incarnation de l'opposant sur ce plateau, je l'interdis. Sinon, j'appellerai son secrétaire général qui est mon ami. Il est endeuillé. Hein. Qui est endeuillé, je le salue et je salue aussi Maître Gédéon Bouyamba qui nous suivent. Donc, je salue aussi Chris Mukendi, qui est aussi un ami et un frère. Donc, le politicien, c'est qui? C'est celui qui attend l'information et aussi qui apporte ses analyses et qui est en train de fouiller, de fouiner pour savoir est-ce que cette information collabore aux réalités là où cela est venu. Mais lui n'en a pas fait, je l'informe. Bahala, c'est un officiel. Il était parti pour une mission officielle. Arrivé, il était en train de faire aussi sa mission officielle. Mais que curieusement, c'est ça l'information, que curieusement, on le reproche de l'avoir vu sur la table avec les M23. C'est ça, n'est-ce pas? Il aurait, au conditionnel, s'est mis sur la table avec, donc au-delà de la mission qu'on l'avait donnée. C'est ça qu'on le reproche en quelque sorte. Ok? Alors que lui était parti pour autre chose. La question d'ordre administratif et du droit administratif voulait qu'on se pose quelques questions. En partant parce que c'était un mandateur. Il y avait un mandataire. Il y a la différence entre un mandateur et un mandataire. Nous sommes en droit administratif. Le mandateur qu'il avait envoyé, a-t-il recadré la mission de son mandataire? Bon, est-ce qu'ils étaient en communication? Bon, que disait exactement la mission, dans l'ordre des missions? Et comment on peut faire partir un mandataire, on laisse un mandateur? En droit administratif, ça ne se conçoit pas. Mandateur, mandataire... C'est-à-dire, mandateur, c'est celui qui a envoyé. Oui, mais non. C'est comme un dépositeur, un dépositaire. Et qui est censé signer une mission officielle? Si je t'ai dit, c'est son chef hiérarchique, non? Qui l'a envoyé? Je suis dans la personne qui l'a envoyé. Donc, le ministère de la Défense. La chaîne, c'est votre chaîne. La chaîne, c'est le ministère de la Défense. C'est le ministère de la Défense. Le ministre de la Défense. Ministère de la Défense. C'est lui qui l'avait envoyé à une mission. Et je crois... Comme c'est une émission, parce que je profite aussi de dire à mon ami, il est vrai que le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif ils sont totalement indépendants. Oui, c'est vrai, mais il y a les domaines de collaboration. Par exemple, les domaines de sécurité,
où nous sommes, par exemple, au domaine de sécurité ou de la défense. Les pouvoirs peuvent toujours collaborer. Oui. Mais dans les cas sous examen, la personne que Tshisekedi devait plus sanctionner, c'est son chef. Comment on laisse son chef, on sanctionne celui-ci? Non. Dans l'hypothèse où... Des poids, des mesures. Dans l'hypothèse où le directeur de cabinet est réellement révoqué. Mais c'est ça que je vous dis. Dans, est-ce que ça ne répond pas, justement, au principe du chef qui a envoyé... Mais c'est ça que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. On ne peut pas sanctionner les mandataires alors que le mandateur est là. Le directeur de cabinet agit sous l'ordre de qui? Du ministre de la Défense. Et c'est le ministre de la Défense qui percute maintenant la volonté, les attributions, l'ordre donné à l'exécutant qui est M. Bahala. Alors, à partir de ce moment-là, si on doit sanctionner M. Bahala, on doit remonter si on touche au directeur de cabinet, mais le ministre n'est pas épargnable. Il est sanctionnable. Ici, j'interpelle M. Vital Kamerhe. Est-ce que c'est justifié? Pour qu'on l'appelle, enfin, de se justifier sur cette mission-là. Vous, cette mission avait quel caractère? C'est justifié pour vous qu'on sanctionne M. Bahala? Moi, je dis ceci. Si il s'avère vrai sur le principe d'actori incumbit probatio, la charge de preuve incombe à celui qui allègue les faits. Ici, si le ministre de la Défense, si le président de la République, ou si la hiérarchie des directeurs du cabinet, ainsi que des Bahala, estime sur les faits allégués que le monsieur aurait parti plus loin que là où on l'avait envoyé, il est exécuté, alors on doit remonter avec la sanction d'une manière hiérarchique. D'accord. On ne peut pas sanctionner, n'est-ce pas? On ne peut pas vous sanctionner, vous, et on laisse vos CB dans un cadre de cette émission où la mission était dans le cadre du Congo Base. Donc ici, je voulais dire quoi? Je voulais dire ceci en conclusion, M. Dan. Tu sais qu'il est en train de négocier. Avec qui? Avec ces gens-là. Il négocie, mais il ne veut pas que les gens sachent qu'on négocie. Mais ce serait contradictoire parce qu'ils sont en procès. Mais est-ce que vous avez déjà vu quelque chose dans ces pays-ci se faire d'une manière droite? C'est toujours contradictoire. Que je vous donne l'idée. Le président de la République qui dit que je ne veux pas les dialoguer, je ne veux pas dialoguer, mais il dit que le président kenyan, c'est lui qui a pris fait et cause pour le Rwanda et détruisant les bons offices du processus de Nairobi. Merci. Alors que le processus de Nairobi, c'est le processus de négociation, c'est le processus du dialogue. Merci. Mais lui qui refuse, il incrimine encore le président de la République de là. Donc vous comprenez que nous sommes en face d'un régime de Toiboye et de Dérobade qui ne savent pas merci où beaucoup partir, pyramide renversée. Donc par conclusion, nous disons au président de la République clairement, monsieur le président de la République, la question de l'Est est claire. Vous appelez un dialogue à l'interne. Nous discutons sur cette question, toutes les forces politiques confondues. Y compris l'M23. Et aussi, je parle de à l'interne. Y compris et après, nous allons remonter maintenant à l'extérieur. Mon frère, ami, on dit vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. D'accord, merci beaucoup. Vaut mieux un mauvais arrangement qu'une longue guerre. On peut le dire comme ça. Merci beaucoup, Maître Jean-Pierre Ngaloula. De l'opposition, vous pensez qu'il y a un dialogue qui est amorcé entre les autorités et Corné Nanga? Oui, nous apprenons. Nous apprenons ça. D'accord. Monsieur John Kabessa, vous qui êtes consultant sur les questions parlementaires et diplomatiques, quelle analyse faites-vous sur cette problématique? Oui, merci beaucoup, cher Dan. Je pense très bien que les questions ou la thématique touchent tellement la vitalité, même la survie de la nation. Je pense que nous allons analyser froidement la question. Les dossiers exactement liés à l'ouverture de ces procès, d'abord de Corneille Nanga et César, c'est co-acquisé, on pourrait le dire une fois de plus. Pour moi, c'est la deuxième thématique. On rentre d'abord sur le dossier Bahala pour rattraper exactement ce que disaient les confrères. Je rentre dans le contexte exactement de ce qui a été annoncé. Jean Bosco Bahala, il était nommé coordonnateur de ces services ou également ces mécanismes importants qu'on appelle les
PDDRCC, c'est-à-dire qui a été revue sur le PDRCC avant. Dans le mécanisme également du processus de la paix, vous savez, nous venons de la guerre, c'est le même mécanisme qui a été mité et bien remplacé sur C. Mais pour le cas sous examen, nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et également stabilisation. Donc pour dire, il y a lieu pour le faire une fois de plus. Quand j'analyse carrément les dossiers liés à sa révocation de ses fonctions, je retiens trois faits importants. Le premier fait, à mon humble avis, c'est comme si la mission était très lourde pour Jean Bosco Bahala, dans la mesure où, selon les détails et même l'analyse de la situation, il devait au moins démobiliser, participer à la démobilisation des 150 groupes armés. Ça, c'est un avis personnel. Je trouvais cela nommé au mois d'octobre. Il a été révoqué au mois de juillet. La mission a été très lourde sur ces. Deuxième élément de fait, c'est lié exactement à ces rififi en rapport avec son ordre de mission. L'ordre de mission qui a été signé de vrai ou de faux, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu l'ordre de mission officiel brandi également sur la place publique. Mais ce document qui circule n'a pas encore été authentifié. N'a pas été authentifié, d'où nous émettons nos réserves pour dire une fois de plus, cet ordre de mission a été vrai parce que nous avons appris qu'il paraîtrait, il a outrepassé une fois de plus ses missions. Troisième élément par rapport à ces dossiers, c'est lié exactement au rapport qui existe entre l'actuelle coordination de ces programmes et l'ancien. Ou l'ancien, en fait, c'est-à-dire le comité de coordination. Il s'est fait qu'entre les deux équipes, il y a ce qu'on appelle un rapport difficile lors d'abord des remises et reprises et mis des passations de pouvoir. C'est de là des éléments qui nous poussent à réfléchir pour dire est-ce que quelque part, il n'y a pas un coup bas entre les deux camps, pour dire d'une manière ou d'une autre. J'ai suivi exactement les co-débatteurs, également les compatriotes qui a parlé les dossiers liés à également mandataire et mandataire. Nous sommes en droit administratif sur ces. Et quand on essaie plutôt d'annoncer ce qu'on appelle un ordre de mission, il y a trois éléments importants. On spécifie très bien d'abord la mission à réaliser. Vous ne pouvez pas outrepasser exactement également sa mission. Dans un ordre de mission. Dans un ordre de mission, on spécifie le contour de votre mission. Deuxième élément, également dans un ordre de mission, on recadre dans le temps et dans l'espace, ce que vous devez faire. Donc, c'est-à-dire si également c'était cadré. Durée. Et même la limite. La limite, la limite d'abord sur le plan spatial. Donc, est-ce que c'était tenu d'être simplement au nord Kivu, d'aller vers la province, la Grande Orientale, ou de dépasser les frontières nationales où vous devez rester? Il y a aussi la date. Troisième élément important dans cet ordre de mission, pour dire également en droit administratif, il y a le moyen, le contour et les mécanismes de collaboration. Je me pose aujourd'hui la question. Quelle a été d'abord la durée de la mission de Jean Bosco Bahala? Deuxièmement, qu'est-ce qui était dit dans cet ordre de mission? Et troisième élément, il devait collaborer avec qui? On les reproche d'avoir outrepassé une fois de plus ses missions. Je pense très bien dans ces cadres, comme on a parlé aujourd'hui, c'est le ministère de la Défense, mais il y a aussi un élément important. Le programme lié exactement au PDDRCC est aussi lié à une collaboration avec la présidence de la République. Là, c'est une information très importante parce que le programme est tellement stratégique, c'est tellement de détails qu'il devait participer aussi. C'est pas un service rattaché à la présidence. Non, c'est-à-dire le ministère de la Défense. Non, c'est un domaine de collaboration. Mais il y a domaine de collaboration parce que c'est un domaine ou également un programme purement stratégique qui touche à la sécurité nationale. À la défense. À la défense aussi. Parce que la présidence, on doit se le dire, on doit veiller sur ces. En conclusion, cette affaire, à mon humble avis, quand on parle aujourd'hui que Bahala a été interpellé, oui, c'est normal parce que quand vous occupez quand même des hautes fonctions de la République, ce n'est pas un péché qu'on puisse vous interpeller pour vous auditionner. Si vous êtes carrément quitte, vous présentez vos moyens de défense, vous serez également épargné. Mais si on trouve dans votre audition des éléments au moins dubitatifs, je dirais des éléments suspects, là, carrément, on doit voir clair. Parce qu'on parle, aller négocier pour la libération des femmes et des enfants des LRA. Je rappelle ici, ça fait 30 ans
que les LRA opèrent en République démocratique du Congo. S'il s'agit, il s'agissait également de dépasser les bornes, si c'était pour la paix, si c'était également pour participer à la démobilisation, je ne pense pas que ça pourrait déranger. Mais à mon humble avis, c'est comme si tout n'est pas à dire dans le média, mais dans l'analyse des faits, c'est une question hautement sécuritaire et stratégique. On doit se finir également de se limiter. Mais j'ai dit aux gens, c'est un professeur d'université. D'abord, il faudra savoir, là, il est rodé en matière des négociations, de ce qui concerne au moins les retours de la paix. Il connaît ce qui se passe dans les groupes armés. Ce n'était pas un novice dans ce domaine. Et il faudra aussi rappeler, non seulement cela, il a eu à travailler pendant la transition et également dans ce domaine. En conclusion, c'est important. Lorsque des domaines qui touchent au moins à la sécurité des fers, par les négociations entre les M23 et la RDC, je rentre ici, même Van Bismarck l'avait dit, une diplomatie exactement sans la force militaire ne reste carrément une musique sans instrument. Si on dit aujourd'hui négocier avec les M23, je pense très bien, il y a eu des recommandations au niveau également du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a vu récemment notre ambassadeur qui brillamment exactement défendait la cause en disant la RDC a connu ce qu'on appelle la guerre d'agression, mais il y a les Big Five. Il y a les Big Five qu'on appelle également les cinq grands. Également membres du Conseil de sécurité permanent, ont démonté ce qu'on appelle une voie de solution politique pour essayer de voir de l'autre côté. Mais il y a la réalité. Officiellement, moi je me tiens à ce qui est officiel. Officiellement, on n'a pas encore eu les deadlines ou également annoncé les négociations avec également les M23. Mais je l'ai dit, si on rentre dans ce qui s'est passé récemment en Tanzanie, je pense très bien qu'il y a des éléments, des rapprochements qui pourraient exister entre les acteurs, mais ce qui ne peut pas être confondu avec également des négociations formelles. Avec la SADC. Lors également de la 55e, vous connaissez également plénière et de ce qu'on appelle l'assemblée plénière. Avez-vous appris également la révocation du directeur de cabinet au ministère de la Défense? La révocation du directeur de cabinet, le général-major, jusqu'aujourd'hui, l'information a circulé sur la toile. Mais elle n'est pas encore. On attend officiellement avoir une lettre. Avoir une lettre ou une communication venant du ministère de la Défense, ou soit de la primature, nous précisant exactement qu'il a été révoqué. Mais je pense que comme journaliste rodé de l'information, la toile ne parlait pas pour rien du tout. Il y a des faits également qui sont des fake news, mais lorsqu'il y a une information qui est restée silencieuse, étant que professionnel, je vous dis, l'essentiel a été déjà communiqué. Merci beaucoup, monsieur John Kabessa, merci monsieur pour ce premier tour de table. On va prendre rapidement la deuxième thématique. Je crois que la question, elle est on ne peut plus délicate. On a parlé des faits et donc l'information est censée évoluer pour avoir toute la lumière. Deuxième thématique, procès Corneille Nanga et compagnie. On va parler de ces révélations de Rick Nkuba. C'était tellement fort que des voix sont levées pour demander que ce procès se tienne finalement à huis clos. Alors, vous avez suivi, monsieur, je me demande si je dois revenir sur ce qu'il a dit. C'est tellement long, c'est tellement choquant, c'est tellement sensible. Quelle est votre lecture par rapport à ce procès? Particulièrement aux déclarations de monsieur Eric Nkuba. Quelle lecture faites-vous? Quels enseignements tirez-vous de ce qu'il a déclaré? Merci beaucoup, monsieur Dan. Je crois qu'avant de répondre à votre question, je vais revenir sur ce qui a été énoncé ici du haut de ces plateaux. Mon co-débatteur en face a dit que j'étais le représentant de monsieur le président de la République, Félix Tshisekedi. Pas du tout. Ici, je suis communicateur du parti politique Écolo. Vous l'avez d'ailleurs précisé. Nous ne sommes pas dans l'Union sacrée. Donc ici, je représente le parti politique Écolo. Donc il faudrait... Et pourquoi nous appelons opposants? Vous êtes juriste. Qui compte? Soyez tolérant. Allez-y. Je suis le représentant le parti politique Écolo et je n'ai jamais dit que j'étais ici opposant. Il a énoncé bonne matière, la notion du mandataire et les mandateurs. Parce qu'on voulait tout le temps que l'on puisse aller dans les si, les ça, il semblerait. Chose d'ailleurs que j'ai fait parce que quand je me suis réservé sur cette question, on a dit qu'il fallait que je puisse l'aborder, mais vous verrez que dans sa prise de position, dans sa prise de parole, il a fini toujours par utiliser le conditionnel. Parfois, il remettait en cause l'authenticité des documents qui circulent sur les réseaux sociaux.
Tantôt, il ne voulait pas aborder les fonds, mais qu'à cela ne tienne. Il a annoncé la notion de mandateur et de mandataire. Il dit que les mandataires n'étaient pas allés, il est allé au-delà de la mission, de l'objet de mission auquel on l'avait délégué. C'est-à-dire qu'il est allé, il semblerait qu'on l'a vu négocier avec le M23, alors que préalablement, ce n'était pas pour ça qu'il était allé là-bas. Mais dans pareille hypothèse, est-ce que le mandateur doit engager sa responsabilité? Puisqu'il dit qu'il fallait qu'on puisse interpeller aussi, n'est-ce pas, le ministre de la Défense. Mais vous êtes délégué dans ses analyses, dans sa réflexion, vous êtes délégué pour une mission précise et vous allez au-delà de la mission précise, mais qu'il puisse nous prouver par quel mécanisme juridique que l'auteur, la personne qui vous a délégué à cette mission-là, bien précise, bien établie, va devoir engager sa responsabilité alors que vous êtes allé outre-petite de la mission qui vous a été conviée. Je ne sais pas par quelle base juridique il pourra justifier cet état de choses. Il dit, voilà, monsieur le président de la République a dit qu'il ne fallait pas discuter et tout ça, mais on voit toujours qu'il y a des processus et tout ça. Je vais ici rappeler qu'en droit international, la déclaration de guerre est un acte illicite. Et le droit international a mis en place des mécanismes de régulation de conflits, entre autres les médiations, les bons offices, ainsi de suite. De ce fait, en droit international, étant donné que notre Constitution, de par son article 215, voudrait que le traité accord international puisse avoir une prépondérance par rapport aux lois internes, il est logique que dans le cadre de la mondialisation, que l'on puisse se soumettre à l'ordre international établi. Donc, ce n'est pas mauvais si on se retrouve dans le pourparler pour discuter avec le Rwanda. Je vais revenir par rapport à votre question. En réalité, M. Corneille Nangaa et ses complices sont accusés pour des faits très graves. Entre autres, nous avons la haute trahison, qui est punie, je crois, par l'article 127 du Code pénal militaire. Il y a les crimes de guerre, l'article 161, mais aussi le terrorisme, ainsi de suite. Voyez-vous, ces infractions-là sont des infractions qui portent atteinte à la survie de l'État. Et nous sommes en face d'une personne qui n'a actuellement rien à perdre. Il s'est dit que, pour moi, je suis déjà arrêté, pour moi c'est fini, les autres m'ont lâché. Il est temps maintenant de salir l'image de la République démocratique du Congo, annoncer de propos forts, parce qu'il y a des caméras qui sont là, qui me surveillent. Au moins, ça nous permettra de pouvoir dédouaner par loyauté à mes collègues du M23 qui sont restés de l'autre côté. C'est dans cette optique-là qu'il s'est livré en spectacle, énonçant ainsi de propos très forts pour dédouaner l'image de ses collègues. Mais qu'à cela ne tienne, le but d'un procès aussi, quand il est diffusé, Est-ce que ces propos doivent-ils tous être rejetés? On doit plutôt tenir compte du contexte par lequel il tient ces propos-là. On est en face d'un prévenu, un monsieur qui se voit aujourd'hui, peut-être dans un peu de temps, se verra à appliquer des sanctions. Je l'ai dit sous réserve, je ne vais pas participer au délibéré. Voyez-vous, peut-être dans ces risques-là, il y a cet élan-là, de voilà, pour moi c'est fini d'avance, j'ai dit n'importe quoi. Parce que je dois vous rappeler qu'il y a eu la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous êtes... Il serait dans l'optique de se dire que moi en tant qu'individu, vous voyez, c'est déjà perdu pour moi, il faudrait que je puisse tenir de propos forts comme ça pour dédouaner mes collègues. Vous êtes dans une analyse, dans des analyses hypothétiques. Ça peut être. Justement, je suis en train, ici, je crois la question est posée pour que nous puissions réfléchir. Quelle serait la motivation qu'aurait une personne se retrouvant, n'est-ce pas, dans les conditions que ce monsieur-là. Voyez-vous, vous êtes dans l'hypothèse où vous êtes arrêté pour des propos, pour des infractions très graves contre l'État, dans les circonstances où il y a eu la levée du moratoire sur la peine de mort, mais vous n'avez plus rien à perdre. Et la question essentielle qu'on doit se poser, jusqu'où un monsieur qui n'a rien à perdre peut y aller? C'est ça la question officielle. Alors, ma question aussi, je la répète, doit-on considérer ce qu'il dit ou pas? Je ne crois pas que l'on ne doit pas rejeter en bloc, en cascade, ce qu'il dit, mais plutôt, on doit plutôt analyser le contexte dans lequel il est dit. D'accord. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous sommes en procédure pénale. Le ministère public recherche le co-auteur, le complice des infractions. Une fois qu'il retrouve ces personnes-là, il instruit. On dit que le ministère public instruit à charge ou à décharge. Cette phrase est déjà dépassée. Quand il arrive, la phrase est dépassée. Quand il arrive à saisir une juridiction pour que l'on puisse fixer l'audience, c'est-à-dire que le ministère public a trouvé des éléments accablants
qui peuvent établir la culpabilité de cette personne-là. C'est-à-dire quoi ? Que l'officier du ministère public ça n'enlève à rien dispose... sa présomption d'innocence. Justement, c'est un principe qui existe en droit. La présomption d'innocence existe en droit, mais la détention en est l'exception. Le ministère public dit, selon lui, que cette personne-là a des éléments, n'est-ce pas, qui prouveraient à suffisance sa culpabilité. Et dans cette optique-là, se voyant être prise en étau, cette personne se dira qu'elle n'a rien à perdre. Voilà pour ce qui peut justifier, n'est-ce pas, de pareils propos. Mais je dirais, pour chuter, le but d'un procès, c'est quoi aussi ? C'est pouvoir dissuader le potentiel délinquant. Le potentiel personne qui vont se lancer, n'est-ce pas, dans cette optique-là, se rébeller contre la République. Voyez-vous, vous voulez être dirigeant, vous voulez diriger la République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo, de par sa constitution, a prévu des mécanismes par lesquels on peut accéder au pouvoir politique, avec la seule technique et la technique de l'élection. Vous voulez diriger la RDC, vous vous retrouvez en brousse, en train de massacrer vos propres frères. Mais si vous les exterminez, si vous arrivez au pouvoir, qui allez-vous diriger ? Merci. Voyez-vous que cette manière de faire n'est pas logique. On doit arrêter de se comporter en rebelle en République démocratique du Congo, peu importe nos motivations. Merci beaucoup, Eric Nkuba Chabandou. A fait savoir que dans le M23 AFC, il n'y a aucun Rwandais, mais il a plutôt dit que les Rwandais se trouvent du côté des FARDC, et même à côté des FARDC, il y a les FDLR. L'AFC a pour mission de venir jusqu'à Kinshasa libérer le Congo. Pour lui, c'est une guerre qui se justifie parce que le pays est mal gouverné. Il a donné ses raisons à lui pour pourquoi il a pris les armes. Il a fait beaucoup de révélations, vraiment beaucoup de révélations à la justice de pouvoir trancher par rapport à son cas. Et aussi l'objet de ce procès, à quoi va-t-il servir en fond, dans le fond, ce procès. Alors, maître... Jean Pingal, quelle est votre lecture par rapport à ça? Merci beaucoup, monsieur Dan. Vous savez, moi je suis un habitué des débats et un habitué des plateaux. Et co-débatteur avec des très grandes personnes. Je constate que mon ami, qui est aussi mon jeune frère, en face de moi, ces thématiques ici l'échappent. Oui. Et vous avez compris, ce n'est pas moi, c'est vous. Vous avez dit, vous êtes dans les hypothèses. C'est-à-dire, au dos de la cuillère. Une réflexion empirico-métempérique, hybrido-confusionniste. C'est-à-dire ? Lorsque je dis ceci, on doit commencer par sanctionner, si on était dans un pays sérieux, les ministres de la Défense. C'est parce qu'en droit administratif, il y a un principe de la responsabilité hiérarchique. Ce n'est pas une irresponsabilité en droit pénal. Faites attention. C'est une irresponsabilité en droit administratif. Celui qui mandate quelqu'un à une mission doit veiller au respect et doit cadrer cette mission-là pour qu'il n'y ait pas de dérapage, surtout dans des missions si très importantes que celles liées à la défense ainsi qu'à la sécurité. Plus de 12 ans dans la profession d'avocat, praticien, un gagnant de plusieurs dossiers, j'ai fini les études du droit, peut-être qu'il était encore à l'école primaire. Mais il me dit ceci. Il me dit, non, que je lui dise en droit, que venez, là je viens de lui dire qu'en droit administratif, il y a un principe de la responsabilité hiérarchique. Lorsque le ministre de la Défense envoie quelqu'un et que la personne va dans une mission, il y a des dérapages, on sanctionne la toute première personne, c'est le ministre qui l'a envoyé. Et on vient, on sanctionne au directeur du cabinet et enfin on finit avec lui. Et d'ailleurs, pour lui, on peut tenir même les circonstances atténuantes. Mais ça... Parce que c'est du faute de sa hiérarchie qui n'a pas veillé sur la mission que cela est arrivé.
C'est ça la responsabilité qu'on appelle la responsabilité hiérarchique en droit pénal, en droit administratif. Mais ça ne viole pas l'infraction est individuelle. Attendez, on parle ici pas d'infraction. Il y aurait. On parle ici qu'il aurait parti au-delà de la mission donnée. Mais alors que la mission, on ne nous dit pas. On réfléchit sur base de ça. Vous comprenez? Mbemba a été sanctionné par la CPI, vous savez pourquoi? C'est pas la responsabilité hiérarchique de ces troupes. Vous envoyez les troupes quelque part, après ils ont volé en Centrafrique, ils ont fait des dérapages, et c'est là qu'on a dit, vous n'avez pas recadré la mission. Et là, la responsabilité hiérarchique vous incombe. Et on vous sanctionne vous aussi. Mais monsieur Tshisekedi refuse de sanctionner son ministre, il sanctionne plutôt le directeur du cabinet. Le pauvre, c'est lui qui était allé dans une mission. On est où? Mon ami est recadré. Une fois de plus, il venait de faire beaucoup d'hérésies ici. Nous sommes dans un grand plateau. Lorsqu'il dit, le ministère public fixe l'audience. Mais non. Le ministère public fixe l'affaire. Et ici, nous sommes dans les juridictions militaires, c'est par une décision de renvoi. Alors ici, j'étais en train de faire ce toilettage psycho-pédagogique et plus technique pour enlever un peu certaines choses. Donc, restons maintenant dans la question, telle que vous avez dit. Dan, posons-nous la première question. Cette histoire est en train de donner une bonne impression, mais lorsqu'on a tenté de voir dedans, apparemment, ça commence à aller très mal. Comment ça? Et ça risque d'être ridicule pour nous-mêmes. Mais pourtant, que si on mettait du sérieux, ça pouvait aller bien. Premier élément, première faute que j'ai constaté moi, ce sont mes analyses privées. Pourquoi appeler ça procès Nanga? C'est là déjà là où ça pose un petit problème. Nanga et compagnie. Mais pourquoi de dire ça? Mais c'est Nanga qui est... Pourtant on pouvait dire, non. Il venait de vous dire qu'il y a plus de 150 groupes armés. Et pourquoi personnaliser ça à Nanga? Alors que nous avons plusieurs rebelles qui commettent encore beaucoup de bêtises. N'était-il pas important de dire que procès des massacres de l'Est, comme ça là on peut juger même tous les autres chefs de guerre. Et ça va remonter peut-être à... Mais ça doit remonter pour la paix. Ça doit remonter. Vous ne voulez pas que ça remonte, non? En 98... Mais écoutez, Nanga peut se retirer et sur 150 quelques rebelles, groupes armés, si Nanga se retire, et qui c'est qui reste là? 149 groupes de rebelles là. La faction va demeurer. Mais c'est là où je suis en train de vous dire ceci. Pourquoi dire ça? Deuxième des choses. On dit non, c'est le ministre de la Justice qui a instruit pour que ce procès ait lieu. Ça a déjà encore une faute. Le ministre de la Justice ne peut pas instruire à une juridiction. Lui a plutôt les instructions positives au ministère public, magistrat debout du parquet. Lui ne peut pas donner ses injonctions au siège. Au juge du siège ou au juge assis. Doit-on considérer les propos de Eric Nkouba comme étant acceptables? Les fautes, d'abord, je n'ai pas fini. Moi, une seule seconde. Allez. Troisième faute qu'on a faite. On ne pouvait pas mettre ça sur la place publique. Ça devait être à huis clos. Pourquoi? Parce que ça va révéler beaucoup de secrets, même certains secrets des opérations qui se font à l'Est. Ne soyez pas étonnés. Et l'ennemi peut en profiter de cela. Troisième faute qu'on a faite. On les juge ici en disant qu'ils sont les Congolais. Pourtant, nous disons que les M23, dans plusieurs déclarations du chef de l'État et de nous, nous soutenons que c'est le Rwanda avec le Rwandais constitué dans les groupuscules de M23 qui est en train de mener des opérations pour déstabiliser l'Est de la RDC. Mais maintenant, là, nous les prenons, nous commençons à les juger. Ça va montrer, ça dédouane maintenant le Rwanda. Le Rwanda va dire, mais maintenant, on m'accusait que c'est moi qui étais en train de mener les actions avec les M23. Mais regardez, ils sont avec leurs frères en train de les juger pour la déstabilisation de l'Est. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette agression a un élément d'extranéité sur
le droit international. On devait nécessairement... On ne pouvait pas juger Nanga. Non, non, on devait nécessairement... Comme Maman Rose Mouton va déposer une plainte à la CPI. Mais on devait déférer. Je vous en prie. Allez-y, allez-y. Il n'y a rien de spécial que Constant fait, que je sais que je n'ai jamais fait. Je gérerai ce ministère-là comme je gère ma famille avec pas beaucoup de réflexion. Je vous dis sérieux, il n'y a rien de spécial. Il annonce une plainte à la CPI. Il y avait déjà une plainte de Rose Mutombo. Il fallait acheminer ces gens-là au CPI pour garder l'hypothèse que c'est le Rwanda qui nous agresse et c'est le Rwanda qui est l'auteur de tout ça. D'accord. Maintenant, lorsque nous les jugeons ici, ça montre quoi? L'hypothèse de tous les rapports internationaux disant que c'est un problème congolais-congolais, alors c'est maintenant établi. Plus question encore de condamner les Rwandais. Voyez comment on est en train de... On s'est mis dans la boue nous-mêmes. Mais maintenant, merci. Les propos tenus par l'autre. J'ai dit à mon ami d'arrêter de dire ça. D'arrêter de dire et ça. Le contexte... J'aimerais que Maître Jacob Mbang veille sur lui pour lui dire ceci. Oui. Un prévenu en matière pénale, on commence par présenter d'abord le prévenu. Le ministère public présente le prévenu. Après avoir... Laissez-moi, vous pouvez récupérer ces minutes. Oui. Vous pouvez récupérer, ça peut être ma dernière parole même. Le ministère public présente le prévenu. Après avoir présenté le prévenu, on passe dans l'étape de l'instruction. Vous comprenez? À savoir que lorsque une personne collabore, un prévenu collabore avec la justice, c'est-à-dire dit la vérité, en droit pénal, selon le professeur Nyabirung, lorsque vous lisez le traité de droit pénal général de 1999, de 1989, dans la page 178, le professeur dit ceci: un prévenu qui collabore comme ça, on peut retenir à sa charge les circonstances atténuantes. Au lieu de les condamner à mort, on peut les condamner à une peine de perpétuité. Alors, il dit des vérités claires. N'est-ce pas que nous avons dit que dans ces pays ici, dans notre armée, il y a les infiltrés. Et lorsqu'on vous dit que du côté de l'autre côté de FRDC, il y a des Rwandais, vous vous étonnez. Mais une chose qui nous ont rendu ridicule, très ridicule. On juge Nanga, on dit que Nanga est en fuite. Merci. Alors que Nanga est sur le territoire congolais. Mais on est où? C'est soit on est incapable d'arrêter. L'incapacité de l'arrêter, c'est ça qui justifie la fuite. D'accord. Quelqu'un qui est sur le territoire congolais. On a compris. On dit qu'il est en fuite. Mais non, qu'on nous arrête avec ça. Et s'il était à l'étranger? J'ai dit ici à nos services de l'État, faites bien votre travail. Merci. C'est beaucoup, tout ce que je vais dire. Maître... Nanga est ici. Allez arrêter Nanga. Jugez Nanga. D'accord. Arrêtez de dire nous les jugeons par défaut. Merci non. Beaucoup, Maître Jean-Pierre Galoula. Voilà, on a suivi deux réactions par rapport à ce procès. Monsieur John Kabessa, quelle est votre lecture par rapport à ce procès? Merci beaucoup. Je crois que c'était houlé. Nous devons exactement rétablir quand même l'équilibre. C'était à tir croisé entre les deux co-débatteurs politiques, je dirais politiciens. Mais, non, ouais. Mais j'ai salué exactement ce qu'on appelle la sportivité des uns et des autres aussi. C'est ça. Grande tribune, nous devons hausser les débats, relever des faits, permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent de comprendre au-delà des lignes sur ces. Le procès Nanga, d'abord je voulais annoncer sur l'ouverture du procès, il y a eu un problème sur la nomenclature, pourquoi procès Nanga, pourquoi pas procès et tel. Dans la nomenclature, je sais pour la communication, et même pour essayer de nommer certaines affaires publiques, on colle un nom. Là, à mon humble avis, nous avons eu l'affaire Watergate, également vous connaissez aux États-Unis d'Amérique. Ce n'était pas simplement qui concernait uniquement le président Nixon ou également sur ces, mais on met un nom à côté pour essayer de donner en termes des références. Il a raison, mon compatriote, en disant derrière, il y a plusieurs personnes. Mais l'élément important ici, pourquoi on met procès Nanga et consort, ou soit et ses co-accusés. Ouais. Dès là, vous allez également voir, nous avons eu le procès Mukungubi là, et récemment, il y a eu aussi le procès Malanga. Ouais. Nous sommes dans cette même logique pour faciliter, c'est pour des raisons aussi pédagogiques, pour que les gens ne se perdent pas. Et il ne faudra pas du tout oublier que Nanga est à la tête de l'AFC, qui est exactement l'alliance Fleuve Congo. En réalité, ce n'est pas un seul groupe rebelle, c'est une fusion
de plusieurs groupes musclés, je peux dire un combo de forces, on a mis ensemble pour former, comme l'AFDL existait à l'époque, c'était l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo, l'AFC, c'est dans cette même logique. Mais on a vu l'ouverture de ces procès, je dois d'abord le dire, c'est pour des raisons pédagogiques aussi. L'article 23 de la Constitution donne à tout Congolais le droit de manifester sa liberté d'expression, qui est un droit également sacré par le voix des images, la voix des images et tout ce qui va avec. Mais à côté de cet article également 23, je pense que nous sommes entre juristes ici, je suis entre les juristes, j'aimerais qu'on puisse rentrer dans ceci. L'article 25 dit également que cette liberté d'expression doit se faire également sous réserve de ce qu'on appelle le respect de l'ordre public, ainsi de suite. Mais dans le cas sous examen ici, plutôt procès Nanga, les révélations de Kouba, lorsqu'on essaie de parler, une fois de plus, au sein des FRDC, il y a des Rwandais. Et de l'autre côté, au sein de l'AFC, il n'y a aucun Rwandais sur C. La précision est détail. Nous sommes de la société civile. Je suis de l'organisation de la société civile pour la paix au Congo, l'OSPC. Nous avons à travers exactement la cellule ou également la représentation du Nord Kivu et de la Grande Orientale, plusieurs rapports en tenant compte des activités sur terrain. Ce n'est pas pour la première fois aujourd'hui on dénonce ou on parle la présence des étrangers. Si Nanga aujourd'hui, ou les co-débatteurs, ou plutôt les complices de Nanga parlent aujourd'hui qu'il n'y a pas de Rwandais, on signale plusieurs rapports, note qu'il y a des étrangers, que cela soit le Rwandais, les Ougandais, les Somaliens et consorts. Ce n'est pas moi, il y a même des rapports qui existent, même la société civile sur le terrain essaie de communiquer chaque fois sur ces. Dixit exactement les rapports. Les FDL. Oui, les FDL, pour dire, Dixit également les lanceurs d'alerte de l'OSPC. À côté, quand on parle avec nous, il y a des FDL. C'est un nubuleux, je pourrais dire exactement, également, je peux dire, lancer propos, dans la mesure où c'est depuis plus ou moins 20 ans. La thèse de Kagame, on parle de la présence des FDLR. Je sais que ce qui était à la base du petit conflit entre l'ancien président Joseph Kabila et Vital Kamerhe, c'était également avec cette opération. On avait ouvert les frontières pour vérifier où sont les FDLR qui scandent chaque fois Kagame pour essayer de justifier son intervention sur l'espace également congolais. Et le président Beka, c'était opposé. Oui, opposé. Mais un élément important, j'ai aimé les juristes, on a évoqué ici le fait lié à l'extranéité également. L'extranéité dans le cadre exactement de cette affaire, la présence des étrangers, je crois qu'il a évoqué le professeur Nyaburungu. Et si également nous allons rentrer dans le contexte avec le professeur J.C. Chulumba et Moussaou, en droit diplomatique et consulaire et également en droit international public, on essaie de parler la présence, la situation liée à la présence d'un étranger dans un territoire donné, lié aux activités qui mènent également contre les territoires ou le pays également là où il vit. C'est ici qu'on doit ramener les faits. Et je suis d'accord qu'on puisse dire tout n'est pas à exposer sur la place publique. Tel que ce procès-là. Tel que ces procès, -là, à mon humble avis, mon analyse personnelle, je pense que si on avait lancé ces procès, on a vu ce qu'on pouvait voir. Pourquoi pas les restes également de ce qu'on appelle l'action. On pourrait les... Et si aujourd'hui, ça touche à la sécurité nationale, si aujourd'hui ça touche au secret défense, qu'allons-nous faire exactement avec cet allure carrément des procès publics sur ces? Parce que je ne voudrais pas qu'on puisse tomber dans la logique du procès Mukungubila, de la logique de tout ce qu'on a vécu. On a laissé lancer un procès et après, il se posera un problème lié à l'administration et même à la poursuite. J'aimerais pas que ces procès lancés soient un refufu dans les médias, soit un feuilleton, soit une série interminable. On voit, il y a des choux gras de gauche à droite. Le ministre de la Justice, s'il a voulu lancer ces procès, que cela soit public, que ces procès soient un procès pédagogique. Je l'ai dit, pour à la fois rappeler aux compatriotes qui est la voie des armes n'est pas la mission ou également la voie la plus indiquée pour réclamer, revendiquer quoi que ce soit. Parce que nous allons dans une logique où chaque fois, mon frère demain il va prendre les armes, tel prend les armes, on sait. C'est comme si les cadres démocratiques qui permettent les challenges, la prééminence des idées, la lutte sur ces, va disparaître. On est en train d'occulter la logique même de notre démocratie. D'où, aujourd'hui c'est Nanga, demain ça sera Dan, demain ça sera telle personne. Mais je pense très bien, ces procès ici, c'est pour décourager, dissuader d'autres personnes qui pourraient le faire. Mais mon inquiétude,
qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle du sensationnel dans ces procès ici. Avec la nation, avec la patrie, on ne déroge pas. On doit rester rationnel parce que ces procès peuvent également déranger la sécurité nationale et même, je dirais, l'avenir sur ces. Mais le dossier de Nanga, je vous dis, c'est très sérieux. Il faudra qu'on ne puisse pas le faire de gauche à droite. Moi, je me dis aujourd'hui très déçu de voir une personnalité vénérable, acceptable et respectable comme Nanga dans la stratification et même dans la logique des classifications des personnels expertes. Également, des personnes expertes en matière exactement électorale. D'accord. Nanga, c'était une fierté en Afrique. Je me pose la question, ce qu'il a fait, il a occulté tout son passé. Aujourd'hui, il ne sera plus classé comme on avait besoin de lui en Zimbabwe, en Namibie, ainsi de suite. Et tout. Pour rentrer dans les contextes, c'est important qu'on tire les choses au clair. 25 ans, qu'est-ce que vous suggérez à l'État congolais vis-à-vis de ce procès? D'abord, qu'il soit finalement huis clos. À mon humble avis, après l'ouverture de ces procès, tout ce qui va, les restes devaient rester au moins huis clos. Parce que on peut faire, il y a une phase semi-publique, on s'est fait un moment, on peut dégager. Parce que on dénature même les propos, on dénature même les déclarations. J'ai suivi ici, il y a l'avocat Peter Ngomo qui essaye une fois de plus de parler sur le fait terroriste et tout ce qui va avec. On a accordé 10 minutes, on est en train de dénaturer même les propos carrément du prévenu. On a 25 prévenus, dont 5 sont physiquement, et 20 on a parlé en fuite ou absent. Je pense très bien, si on veut lancer ces procès, à mon humble avis, ces procès risqueraient de prendre 2, 3, 4, 5 ans. Je reviendrai ici, d'accord, parce que les éléments dans ces procès manquent pour organiser vraiment un procès qui va respecter notre intégrité du territoire national, notre sécurité nationale, même, je peux dire, l'administration sur ces. Je suis d'accord, mais j'aimerais bien l'affaire de Jean Bosco Bahala, comme on doit se le dire, dans la logique de l'esprit des lois, également prôné par Montesquieu, il y a ce qu'on appelle non seulement la collaboration, mais le pouvoir arrête aussi le pouvoir. Le bureau actuel de l'Assemblée nationale, dirigé exactement par les honorables Vital Kamerhe et Jean-Claude Chilombaï, avait annoncé un contrôle rigoureux de l'action publique dans tous les ministères pour ne pas laisser sur ces. Si l'affaire Bahala, on s'est dit aujourd'hui, le ministre de la Défense a une part des responsabilités. Je précise ici, j'ai suivi les juristes, il y a aussi une nuance. Il y a le domaine en droit administratif qu'on appelle la responsabilité hiérarchique fonctionnelle. Là, il y a un élément important à tenir. Donc, c'est l'ensemble des activités menées pour essayer de faire rapport entre la personne mandatée et même sa hiérarchie. Donc, le Parlement est important à la rentrée du mois de septembre, qu'on puisse trancher. Si le ministre de la Défense est concerné, doit être auditionné. S'il est indemne, il présente très bien ses moyens de défense, il sera acquitté. Merci beaucoup. Sinon, il doit être également passé aux aveux. Merci beaucoup. La sanction parlementaire. Parmi les révélations d'Eric Nkuba, il dit « En Ouganda, les membres de la FCM-23 logés dans les appartements du général Muhoozi, fils de Yoweri Museveni. » Alors, il revient également sur la responsabilité de l'Ouganda. Il pointe, en tout cas, il a fait beaucoup de révélations. La question que le gouvernement va devoir faire maintenant, affronter l'opinion vis-à-vis de la question de l'Ouganda qui semble être un caillou dans la chaussure. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'armée ougandaise? D'une part, les opérations conjointes pour traquer les ADF se poursuivent. D'autre part, les révélations des preuves accablantes qui incriminent l'Ouganda comme étant complice du Rwanda, complice du M23 sont également là. Alors, par rapport à la révélation sur l'Ouganda, est-ce que ces propos peuvent-ils soutenir, aider le gouvernement congolais à pouvoir se distancer ou de prendre des mesures contraignantes vis-à-vis de l'Ouganda? Merci beaucoup, Monsieur Dan. Je crois que je vais revenir par rapport à quelques points. Maître Jean-Pi, j'ai aimé ce qu'il a dit parce qu'il a commencé d'abord au prélude de son intervention par énoncer qu'il a étudié il y a longtemps. Et on constate vraiment qu'il a étudié il y a très longtemps. Il faut pas... Puisque... Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est ce qu'il a dit. Non, il ne faut pas...
Je répète seulement ces des attaques personnelles. Voilà. Soyez élégants, que le débat soit républicain. Je dis c'est que allez-y. Jean-Pierre a énoncé parce qu'il nous a fait comprendre qu'il avait étudié il y a très longtemps. Je crois que dire ça, ce n'est pas attaquer personnellement, encore moins insulter. Moi, je demande que pour, vous ne puissiez pas l'insulter. Pour justifier sa position sur la culpabilité, semblerait, du ministre de l'Intérieur, il a fait allusion à l'affaire Jean-Pierre Bemba. Ici, c'est ministre de la Défense. C'est une confusion totale de notions. Parce que Jean-Pierre Bemba a été condamné. C'est-à-dire que Jean-Pierre Bemba, il s'agissait là d'une matière pénale. Et en droit pénal, il existe le principe pas d'infraction, pas de peine, sans que la loi puisse préalablement l'établir. Et donc, c'était des infractions prévues par les statuts de Rome. C'était logique, justifié et normal que M. Jean-Pierre Bemba puisse être jugé. Deuxièmement, par rapport aux éléments d'extranéité qu'il a énoncés ici. Il a dit qu'il semblerait qu'il y, avait il y aurait des Rwandais. De ces faits, la juridiction congolaise ne devait pas être compétente pour pouvoir connaître cette affaire, mais plutôt on devait renvoyer... Je crois que vous avez tordu... Il a dit, s'il vous plaît... Vous avez tordu le sens de ses propos. Il a dit qu'il y avait des éléments d'extranéité et que l'on devait plutôt nous présenter devant la Cour pénale internationale. J'ai noté ici. J'aimerais lui rappeler, parce qu'il a lu il y a très longtemps, l'article 2 du Code pénal, la coordination de 1940, qui dit ceci. L'infraction commise sur le territoire de la République punie conformément à la loi. Vous commettez une infraction en République démocratique du Congo, vous serez puni conformément à la loi congolaise, au nom du principe de la territorialité. Et c'est justifié d'ailleurs en droit pénal. Il a proposé. Le droit pénal est textuel, on ne peut pas inventer de choses qui n'existent pas. Il a dit ici qu'on avait dit qu'il revenait au ministère public de fixer l'audience. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le ministère public, quand il instruit et qu'il a des éléments suffisants, il saisit les juges afin que l'on puisse débuter, n'est-ce pas, l'instruction de cette audience-là. Il y a une phase juridictionnelle et une phase préjuridictionnelle. Ce sont sûrement des notions qu'il maîtrise très bien. Nous l'avons dit, je crois que du haut de ces plateaux, qu'il y avait de ces pays qui ne jouaient pas un franc jeu avec nous, entre autres l'Ouganda. Voyez-vous, il y a de localités qui sont occupées en République démocratique du Congo, que l'Ouganda a favorisé le passage. Voyez-vous, l'Ouganda n'a jamais joué un franc jeu. Et nous, à Ecolo, nous disons, la meilleure manière d'accompagner les régimes, c'est d'être franc avec ces régimes. L'Ouganda n'est pas notre allié. L'Ouganda se place à côté de nos ennemis. Parce que l'Ouganda se place à côté de nos ennemis et qu'il soutient ses propres intérêts, il participe, n'est-ce pas, à alimenter les gens qui sont en train de pouvoir favoriser, n'est-ce pas, l'intranquillité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il relève, nous, en tant que gouvernement congolais, de prendre les dispositions de mesures quant à ceux. Ne pas jouer franc jeu avec des personnes qui ne sont pas avec vous. L'Ouganda ne joue pas franc jeu, mais je l'ai dit. Je l'ai redit, je crois que je vous ai posé la question lors de la récente émission qu'on a eue sur ce plateau. Le gouvernement congolais est en opération militaire, coopération militaire avec l'Ouganda pour la traque des UPDF, les terroristes ougandais. Malgré tout ce qu'il y a comme révélation, même Patrick Mouyaya l'avait dit, que nos propres services nous ont révélé les faits allant dans le sens où l'Ouganda soutient le M23 et le Rwanda à la fois. Comment ça s'explique que des voix s'élèvent avec des preuves à l'appui que l'Ouganda joue les jeux de l'ennemi, mais le gouvernement congolais maintient la coopération militaire avec l'Ouganda? Comment ça s'explique pour un État qui veut la paix? Justement, c'est ce que nous disons. Nous disons que nous allons dire la vérité. Alors, c'est inexpliqué que l'on puisse établir qu'il y a ces personnes qui marchent avec vous, mais qui en réalité ne sont pas avec vous, que vous puissiez continuer à marcher ensemble. Même la Bible le dit, quand deux personnes ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Le gouvernement congolais doit prendre ses responsabilités, enfin de bouter dehors l'armée ougandaise. Donc là, c'est Eric Kouba qui le dit, donc là, vous considérez. S'il vous plaît, parce que ce n'est pas seulement Eric Kouba qui le dit. Il y a Bounagana, n'est-ce pas, qui est à ce jour occupé. Qui a favorisé le Rwandais en République démocratique du Congo? Si ce n'était pas favorisé par l'Ouganda,
N'est-ce pas, monsieur Ben, monsieur Dan, ils étaient favorisés par l'Ouganda. C'est alors qu'ils ont occupé Bunagana. Ce n'est pas une vérité qui semble être cachée. Nous le connaissons déjà. Alors, on dit qu'il est grand temps d'arrêter de marcher avec les Ougandais. Très bien. Parce que eux, en contrepartie, ne jouent pas franc jeu avec nous. C'est comme ça que l'on va très bien avancer, très bien progresser. Quand vous élaborez des plans, des stratégies de défense et que vos plans sont vendus à l'avance, ces stratégies-là ne vont pas aboutir. Vous dites que vous soutenez le chef de l'État. Le chef de l'État est le chef des forces armées. C'est lui le numéro un de la défense nationale. Donc, toutes les décisions qui sont prises ne sont pas prises sans son aval. Or, si nous gardons la coopération militaire avec l'armée ougandaise, donc le chef de l'État, quelque part, a donné son aval. Monsieur Danzang, ce n'est pas parce que l'on accompagne le chef que l'on est censé tout entériner. Nous, alors là, vous disons, êtes contre le chef. S'il vous plaît, nous nous disons, la meilleure manière d'accompagner le chef, c'est de dire la vérité. Là, il a fait ce route. Et nous pensons que sur cette volée-là, il y a lieu de se rétracter pour demander aux Ougandais de pouvoir se mettre à l'extérieur et enfin pour que nos stratégies ne soient pas dévoilées. Très bien. L'armée ougandaise, il logeait chez le fils de Yoweri Museveni. En principe, c'est celui-là qui devrait être le chef de l'État en Ouganda au cas où Museveni arrivé aujourd'hui à être en incapacité de gouverner. C'est lui qui est le successeur de son père. Celui-ci a déclaré son amour et son appartenance à la famille de Paul Kagame. Donc, on peut se réveiller un matin, ici, on apprend que M. Muhoozi devient le chef de l'État de l'Ouganda. Alors, en ce moment-là, quelle devrait être la position du gouvernement congolais, puisque apparemment la question est un peu plus difficile à gérer pour le gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous suggérez? Je ne dis pas que vous... C'est vrai que vous êtes contre cela, comme beaucoup sur ce plateau. Quelle suggestion feriez-vous au gouvernement? Y compris vous. Je dis beaucoup. Moi, je ne donne pas mon point de vue. Vous donnez également un point de vue. Allez-y. Monsieur Dan, Ekolo, c'est un parti que j'aime beaucoup. J'aime aussi mon frère. Très bien. J'aimerais seulement lui dire que lorsque j'ai parlé de Mbemba, la responsabilité, j'ai parlé sur la responsabilité hiérarchique des actes posés par ceux qui l'avaient envoyé. Nabato ya Tindaki. C'est ça le lien administratif. Parce que en droit administratif, mon ami vous a dit, celui qui envoie doit veiller sur sa mission. Qui envoie, c'est une hiérarchie. La hiérarchie doit envoyer pour veiller. Et en droit pénal, mon ami, il y a les droits pénal a les effets évolutifs. Vous comprenez? Et dans les droits administratifs ou dans les droits civils, lorsqu'il y a les éléments, ça peut être civil, ça peut être administratif, mais lorsqu'il y a, il y a un élément qui touche au délit, le droit pénal intervient. Dans le cas de Mbemba, il avait envoyé, mais il n'avait pas posé les actes. On l'a reproché comme étant chef de ces gens-là. Parce que vous les avez envoyés sur les liens administratifs. Mais là, vous n'avez pas veillé. On va quand même retenir voilà. Qu'il avait été acquitté. Oui, non, j'ai donné l'exemple d'accord. pour dire que le ministre de la Défense, je suis en train d'étonner si à ce moment ici, il demeure encore ministre de la Défense. Alors que le premier ministre allait déjà les sanctionner, le chef de l'État allait les chasser déjà au Conseil des ministres pour ne pas l'accéder jusqu'à ce que la vérité sera établie sur cette affaire. Autre chose, je suis en train de lui dire, toute infraction commise en République démocratique du Congo est sanctionnée, poursuivie en République démocratique du Congo. Il y a les éléments d'extranéité. Le droit pénal privé intervient, qui traite de ce qu'on appelle les infractions commises par des sujets étrangers. On vous dira qu'un Américain peut commettre une infraction ici, mais il est jugé condamné en Amérique. Il y a les accords et les traités internationaux qui interviennent et qui dominent sur les droits internes. Ça, c'est une notion du GE que je ne peux pas comprendre. Même ces garçons-là, ne vous en faites pas, un jour, vous allez les voir partir. Aux États-Unis. Aux États-Unis pour aller purger sa peine. On peut l'envoyer en voie d'instruction ou on peut le condamner ici, mais pour la peine, il va purger à l'extérieur.
Je suis en train de lui dire, dans le cas de ces procès ici, Maman Moutombo avait déjà déposé la plainte pour les mêmes histoires, n'est-ce pas, au CPI. Vous comprenez? Maintenant, à partir de ce moment-là, pour garder maintenant nos déclarations à l'interne du président de la République et de nous-mêmes Congolais qui disent que cette guerre est imposée par le Rwanda qui sous-traite au travers ses membres rwandais, les M23 et les autres. Mais lorsque nous prenons maintenant tous ces chefs de guerre-là, nous les jugeons ici en Congolais. Est-ce que vous comprenez? On dédouane l'hypothèse de dire que la guerre était la guerre de Rwanda. C'est comme ça que je dis, cet élément de l'extranéité voudrait qu'on devait normalement prendre ces gens-là, les acheminer à la CPI. Et parce que CPI a beaucoup de moyens, a beaucoup de mécanismes d'arrestation, ils pouvaient arrêter Nanga, qui est sur notre sol congolais, et nous disons que Nanga est en fuite. Est-ce que vous comprenez cette réflexion-là? C'est une réflexion magistrale que celles et les avertis scientifiques peuvent bien comprendre. Alors, par rapport à ce qu'il a dit, je reviens encore ça, sur les révélations. Il n'y a pas de révélation dans cette affaire. Pas de révélation. Le prévenu est en train de dire ce qu'il connaît et ce qu'il a vu. Et il collabore avec la justice pour obtenir la clémence des circonstances atténuantes. Si tu dis la vérité devant la justice, tu sais qu'on peut t'acquitter. Vous savez, les dossiers de Kaba et les autres, il y a une dame qui était condamnée 2 ans ou une année avec sursis, par exemple. Parce qu'il a collaboré. Si vous dites des vérités devant la justice, vous collaborez. Vous permettez à la justice de saisir les auteurs principaux qui dérangent plus. La justice peut vous acquitter. Parce que vous avez collaboré. La collaboration est un élément. Dans ce qu'il dit, il y a d'une part les faits qui accusent ou incriminent le gouvernement fortement dans sa participation criminelle à sa insécurité. Partant de vos propos, il incrimine la République démocratique du Congo comme étant en participation criminelle dans l'association des malfaiteurs dans cette affaire-là. La déduction dans cela voudrait dire ceci. Qui est le commandant suprême des forces armées congolaises? Là, vous allez très loin. Hein? Vous allez très loin. Non. Qui est? Non. Moi, j'ai réfléchi. Qui est le commandant suprême des forces armées congolaises? C'est le chef de l'État, bien M. Tshisekedi Tshilombo. Il dit les FPL. Tout ce temps, nous dénonçons chaque fois. Nous ne comprenons pas comment on dénonce Rwanda. Et l'Ouganda, on laisse. Alors que l'Ouganda ici, l'enfant de ce président-là, ougandais-là, est cité dans plusieurs rapports. Mais Félix Tshisekedi fait l'Ouganda ami et Rwanda ennemi. Mais non, vous avez dit, pourquoi on n'est pas en train de rompre les relations diplomatiques? Vous voulez qu'on puisse rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda, alors que le Rwanda n'a jamais rompu? Merci. L'ambassadeur de Rwanda est ici, pour nous et là-bas. Les échanges commerciaux sont en train de se faire. Nos autorités voyagent là-bas nuit et jour. Merci, maître. Donc, ce que vous voulez dire ici, nous voulons que le président de la République, le commandant des forces armées congolaises, qu'il arrête avec les semblants dans ce domaine, il doit citer, il doit condamner. Comme nous condamnons Rwanda, nous devons condamner également l'Ouganda. Et nous devons comprendre, arrêter avec... D'ailleurs, Bissoubissagi, président, qui vous a envoûté d'aller s'associer avec l'Ouganda. Nous disons, il faut rompre avec cette coopération militaire, rompre avec les relations diplomatiques, chasser leurs ambassadeurs, fermer les frontières, dire à leur président, tu m'as trahi et je ne veux pas négocier avec vous, comme j'ai dit avec Paul Kagame. D'accord, mais pour le dossier d'approchement, il y a bien le lien. Approchement entre les autorités et les AEFC trouver une entente. Moi, je suis d'accord avec ça parce que nous disons vaut mieux un mauvais arrangement, un mauvais accord qu'une longue guerre qui nous prendra beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Toutes les guerres dans le monde se gagnent toujours autour des papiers et drapeaux blancs en haut. Maître Jean-Pi Ngalula, alors, personnalité politique du Fonds commun, pas du Fonds commun pour le Congo, mais de l'opposition. De l'opposition. Il faut répéter ça 2 fois. Bayoka bien. Non, il faut vraiment répéter ça. Personnalité politique de l'opposition. Voilà. D'accord.
Monsieur John Kabessa, on va finir avec vous, mais il y a la mission des bons offices qui se déroule sous la houlette du premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Isaac Jean-Claude Chilumbay. Cette mission des bons offices, c'est pour mettre autour d'une table les deux tendances opposées, les frondeurs et les conservateurs, pour trouver justement la solution à tout ce problème qui secoue le parti présidentiel. Un petit mot par rapport à la mission des bons offices que mène le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je précise ici, je ne suis pas membre de l'IDPES, mais comme étant journaliste spécialisé sur des questions parlementaires, on suit de près cette question qui a secoué d'abord les partis présidentiels, qui a même des ramifications actuellement dans l'unité ou l'unicité de l'action même au niveau exactement du Parlement. Oui, le dimanche dernier, au Collège Boboto, il y a eu une initiative qui a été lancée exactement par le premier vice-président de l'Assemblée, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbay, de ramener tous les décans, parce qu'actuellement, on doit se le dire, il y a ce qu'on appelle une guerre des deux camps, c'est-à-dire les camps Kabuya et aussi les camps Eteni Longondo avec les Jacob et ainsi de suite. La rencontre a d'abord mis tout autour d'une table les personnalités qui sont dans les institutions. Il y avait des députés et les sénateurs. Ce qui est le plus intéressant, quand j'analyse exactement ces dossiers, il y a eu des résolutions qui ont été adoptées. Il y en a eu trois. Et parmi ces résolutions, la toute première, c'était la mise en place d'une commission des bons offices. Et la deuxième également résolution, c'était la cessation rapide des hostilités ou également des activités provocatrices dans les médias. On a vu ces derniers temps, il y a accalmie, au moins, entre les deux camps. Et puis, troisième élément, c'était la mise en place des conditions pour la rencontre de la CDP, qui est également la Convention démocratique du parti. À ce jour, selon les dernières informations que nous avons reçues au niveau de l'Assemblée nationale, il y a également des concertations qui avaient bien commencé avec cette mission exactement des bons offices. On a eu à recevoir à la fois les sénateurs, les députés, les personnalités influentes du parti, mais également, on appelle les fédéraux et les sectionnaires pour auditionner tout le monde. Le bien fondé dans cette démarche, on a parlé carrément fumer les calumets de la paix, comme on le dit, la paix des braves. Mais quand j'analyse la situation au sein de l'IDPS, il y a ce qu'on appelle les querelles réformatrices au sein des partis politiques. Et ça s'est vu de l'autre côté comme querelle fondatrice dans la démocratie. Mais le mal serait que, au lieu à ce net moment, qui est les partis présidentiels, l'IDPS, que les gens puissent au moins se ramener, réfléchir comment aider et ramener également le mandat du chef de l'État, les gens sont en train de déchirer. Ouais. En somme, on attend également les résolutions avec la médiation, la facilitation qui a été tenue par le professeur Isaac J.C. Chilumbay. Ça dérange même la diaspora, on a vu des communiqués, même sur la scène politique, on a vu certains partis sociétaires pour essayer de se ramener. En somme, pour dire, on attend l'épilogue ou la composition, une fois de plus, et la publication de ces rapports qui a ramené tous les partis, toutes les parties pour, une fois de plus, aller vers la sortie de la crise, parce qu'on s'est fait pour ne pas tenir pour les uns ou défendre pour les autres. Mais ce qui est regrettable dans tout cela, il y a la partie qui s'est proposée comme étant médiatrice ou facilitatrice avec le professeur Jussef Tchoumbaï et maintenant au cœur des tirs croisés venant des uns et des autres en disant qu'il a pris parti pour tel, en oubliant que dans le mécanisme des résolutions des conflits, les pacificateurs ou les médiateurs ne prennent pas parti. Donc, c'est-à-dire qu'ils restent indemnes ou neutres pour essayer de voir. Nous voulons qu'il y ait une sortie des crises, sinon, à la rentrée du mois de septembre, le parti présidentiel risquera d'être fragilisé. Au moment, il y a déjà lueur d'espoir avec l'action, l'efficacité avec les bureaux également tenus par les honorables Caméré. Et à côté, le professeur J.C. Chilumbay qui a à la fois dans sa charge, à côté c'est qu'on voit une fois de plus les relations avec les groupes parlementaires, la diplomatie parlementaire, mais aussi le contrôle en termes de suivi. Nous reviendrons ici parce que c'est une question qu'on suit de près pour essayer de dire qui, à ce net moment, voudrait la sortie des crises et qui veulent trahir. Parce que la nation ne gagne pas dans ces conflits. On expose plutôt dans un spectacle purement assez désolant. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. D'accord. Mais c'est important aussi de placer un mot sur l'unité également
et aussi à côté, pour ne pas déstabiliser les parlements avec les bureaux actuels, semble pour moi prendre de l'ascendance avec les mécanismes de contrôle. C'était après 3 mois annoncé par Soumina pour dire que le pouvoir devait arrêter le pouvoir conformément à l'esprit de Montesquieu. Voilà un peu ce qu'on voulait dire. Merci beaucoup à vous, Monsieur John Kabessa, spécialiste des questions parlementaires et observateur de l'actualité, de nous faire le point sur la question de l'UDPS et la mission des bons offices du professeur Isaac J.C. Chilumbay, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous espérons que cette initiative apportera des solutions, car dans un conflit, personne n'est gagnant, tout le monde est perdant. On espère que ceci ira de mieux en mieux. Merci, messieurs, dames, d'avoir pris part à cette émission. Je vous dis énormément merci. Je crois que vous avez tous êtes chacun sous votre soif avec un petit mot. Je vois les... Vous avez privé d'un sujet très important. La régie... Mais ça mérite d'être redébattu parce qu'il y aura beaucoup de révélations. Non, mais moi, personnellement, ça va pas tenir avec les bons offices parce que Chilumbay, c'est un proche de Kabuya. C'est là où il y a les bas blesses. Ce qui n'est pas vrai. Parce que les camps Kabuya, maintenant, là, je vous en prie. Il est tiré de toutes les parties. Non. C'est le jeu de celui qu'on tire qui joue ce jeu-là pour crédibiliser l'autre. Chilumbay est plus proche de Kabuya. Ici, les médiateurs devaient venir ailleurs. Et ici, je leur demande de me placer comme médiateur. Mais attendez, comment vous prenez... Comment vous prenez celui qui pose un problème pour le mettre là? Parce que lui, Chilumbay, a placé combien de combattants dans son cabinet qui ont eu le travail? C'est ça les réclamations. On est dans le couloir de l'Assemblée, on connaît tous les rouages. Je vous informe, mais allez au moins vous renseigner. Ce n'est pas la situation. Il a nommé. Donc, c'est-à-dire, c'est faux. Il a nommé. Nous également, encore avertis de la société, observateurs, on voulait savoir si le professeur J.C. Chilumbay en est parti. Mais on s'est rendu compte. Il est actuellement tiré à boulet rouge parce qu'il voulait... Il n'est pas crédible. Lui et Kabuya doivent partir, papa. Kabuya. Merci, Monsieur Dan. Déjà, il faut ici préciser qu'il s'agit d'une crise interne à l'UDPS, faute de savoir comment gérer les ambitions des uns et des autres. Okay. Mais nous saluons quand même l'initiative de médiation. Parce qu'il faut très rapidement essayer de résoudre cette situation de crise, sinon ça risque de paralyser l'Union sacrée et par ricochet, paralyser même les institutions. Ce qui ne va pas aider le président de la République. Ça, je ne suis pas d'accord. Je salue cette initiative-là. Et paralyser l'Union sacrée, les institutions. C'est la démocratie. Non. L'UDPS, un seul parti politique, déstabiliser l'Union sacrée et déstabiliser les institutions de la République. Ça veut dire quoi, parti présidentiel? C'est quelle notion? Majoritaire avec combien de députés? Il n'est pas majoritaire. Vous parlez de mosaïque ou vous parlez de l'IDPS? Pour pouvoir échanger sur les questions de l'actualité. Portez-vous bien, mesdames et messieurs. Excellent week-end à vous toutes et à vous tous. Paix, joie et grâce dans vos maisons. À lundi. We'll be right back.